Guillaume qui va rentrer tout à l'heure. El Khoumisti à l'entrée de la surface de réparation. Oh, le but. Magnifique. La classe fait d'El Khoumisti. Je ne sais pas combien de temps reste-t-il. Attention à ce ballon, retrait avec El Khoumisti. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de la carrière manager avec Concarneau. J'ai peur de dire une bêtise, mais je crois que c'est l'épisode numéro 11. Donc voilà les gars, je voulais vous remercier comme d'habitude pour les retours. J'espère aussi au passage que vous allez bien tout simplement. Et on va partir pour revoir le programme du jour. Aujourd'hui, comme je vous l'avais dit la dernière fois, seulement 3 matchs. Seulement 3 matchs au lieu de vous laisser simplement... comment ? Au lieu de vous faire un match, pardon, je vous laisse les buts. Là, je mettrai les 3 matchs en résumé. Mais du coup, aujourd'hui, c'est vrai que ce sera un épisode, je pense, qui sera un petit peu plus court. Il y aura franchement moins de choses que d'habitude. Je m'en excuse d'avance. Mais par contre, la semaine prochaine, vous allez vous régaler puisqu'il y aura... Il y aura tout simplement la finale de Coupe de France. Bref, voilà. Aujourd'hui, on a 3 matchs. 3 matchs pour... Oh non. J'allais dire, au pire, aujourd'hui, il y a le... on aura le sacre à voir. Sauf que si on gagne face à Valenciennes, mathématiquement, on n'aura 15 points tout pile d'avance, je crois. Donc... on peut toujours nous rattraper, mais au goal average c'est juste impossible, donc on sera quand même premier, mais le jeu ne comptera pas le titre, je pense, donc on n'aura pas le titre pour ce match là sauf qu'on l'aurait donc au match d'après, sauf qu'au match d'après face à Pau ou au pire face à Amiens, c'est à l'extérieur, donc si je vous dis pas de bêtises, les titres on les célèbre à domicile, donc dans FIFA ce sera que face à QRM qu'on pourra avoir le titre, et donc dans l'épisode suivant. Bref, au pire les gars, écoutez, on va avancer, on verra ça. On verra ça et puis voilà. On va voir. On va voir. Je crois que tout le monde est prêt. Pensez-vous rester encore invaincu? Je pense qu'on peut continuer. Je sais pas trop. Écoutez, comment allez-vous préparer le prochain match? Ne pas sous-estimer l'adversaire. Ils sont mal classés, mais en Coupe de France, ils ont fait mal. Donc quand même. Attention à eux. Et puis on part pour ce match les gars. On va faire quelques petits changements puisqu'il y a eu la demi de Coupe de France quelques jours auparavant. C'est un petit peu entamé mes troupes physiquement. On va titulariser Baldé. Au milieu de terrain, je vais titulariser Fodesila. Côté gauche, on va titulariser le petit Waib. Et puis on part comme ça. Tac tac tac, juste sur le banc je vais mettre mon petit Moisan comme d'habitude. Je vais également mettre qui je pourrais mettre, personne d'autre, quoique peut-être un joueur un petit peu plus offensif. Allez, on va donner du temps de jeu à Le Beau. Allez, on part comme ça les gars pour ce match. Je vous laisse donc bien évidemment le résumé. À tout de suite, on est parti pour peut-être le match du titre en cas de victoire. On va voir ça, on va voir ça ensemble. Je pense que on peut aller le chercher ce match là. Après le titre, je fais que dire ce mot depuis le début de la vidéo. Je pense qu'il est je sais pas pardon s'il nous sera donné. Mais écoutez, on verra ça à la fin du match. Mais bon, au lieu de se concentrer sur si on aura le titre ou pas à la fin de ce match, déjà le gagner ce sera une bonne chose de fait. Et voilà, puisque dans tous les cas, si on ne gagne pas le match, il y aura carrément pas de titre. Ça, c'est une certitude. Donc, voilà, bref, allez, j'arrête de faire que vous embêter. En plus, je dois vous mélanger. Ndombassi. Ah bah, d'accord. 1-0, comme ça, il n'y aura pas besoin de couper. Le tir est plein axe.
Le gardien, je ne sais pas du tout ce qu'il fait. Si je ne dis pas de bêtises, ça doit être Suarez, son nom, si j'ai bien retenu en Coupe de France. Je crois que c'est Suarez, leur gardien. Oui, ça doit être ça. Ouais, la frappe, non, le gardien de là, il doit l'avoir, clairement. Il doit clairement l'avoir. En tout cas, ça nous profite. 16e but de la saison pour Noël Dombassi, qui est un pilier de l'effectif et qui sera un des piliers de l'effectif pour l'année prochaine en Ligue 1. Jean de Fuchs avec Yanis Merji. Sila pour Baldé. Baldé, il attend un appel de Waib. Waib fait son appel. Waib centre. Waib tête. Non, Fadel Koumisti. Ouah, celle-ci, elle doit finir au fond. Elle doit finir au fond. Cette action, je vous la mettrai bien évidemment dans le résumé de ce match. Mais ouais, là, problème, elle doit aller au fond, cette tête de Fadel Koumisti. C'est pas grave. On ira travailler ça à l'entraînement, mon petit Fad. Mais bon, ça aurait dû finir au fond. Attention, attention! De temps, je commentais pas comme d'habitude sur les phases défensives. Voilà, Paro, il se fait complètement avoir. Ça laisse, il sort un bel arrêt. Ça, malheureusement, ça revient dans les pieds du numéro 11. Peut-être Hugo Bonnet, ouais, c'est ça. Hugo Bonnet qui égalise malheureusement à la 30e minute de jeu. Globalement, ouais, non, pas besoin de dire que c'est mérité puisqu'ils ont c'est leur seule situation. C'était leur première attaque où on craque directement. C'est dommage puisque, comme je vous l'ai dit, Salès avait fait un bel arrêt. Mais bon, les défenseurs malheureusement n'étaient pas assez présents au marquage. Et ça nous coûte donc cette égalisation. Allez, Merji. Merji, le centre second poteau, Baldé. Très bel arrêt de Suarez, les gars, on n'arrive pas à prendre les devants pour l'instant dans ce match. On a je ne sais combien de situations, mais il n'y a rien qui arrive à se concrétiser, pardon. Et c'est la mi-temps du côté du stade de Guy Piriou. Tiens, on va aller voir les stats ensemble de ce match. Je pense qu'honnêtement, ouais, niveau tir, on doit être plutôt pas mal. Ouais, chance de but, mais pratiquement à 3. On a que 4 tirs, ok, pas de soucis, j'ai l'air, pardon. Mais oui, après, c'est vrai qu'on a eu aussi pas mal de situations sur des centres qui étaient très très bien exécutés, mais qui ont été repris par la défense. Donc forcément, ça n'a pas amené de tirs, donc c'est aussi pour ça qu'on n'est pas non plus encore extrêmement dangereux dans les stats. Mais quand même, attention Valenciennes, mes joueurs sont bouillants. Allez, Merji pour Jean de Fuchs. Jean de Fuchs qui frappe, encore un arrêt de Suarez. Ah, il est en feu, le gardien. Coupe de France, il nous avait déjà étonné. Allez, Jean de Fuchs, nouvelle chance et nouveau corner. Noël Dombassi pour Fodesila. Oula, Fodesila, ok, bien joué. Baldé qui joue avec Waib. Waib qui va pouvoir centrer. Non! Oh, je la voyais dedans. Oh, je la voyais dans cette tête d'Ndombassi. Je crois que c'était Ndombassi. Peut-être Fadel Koumisti, je sais pas. Oh non, je suis dégoûté. On aurait même dû la concrétiser. Cette action, ça joue plutôt pas mal. Côté Concarneau, ça joue plutôt pas mal. On se procure pas mal de situations, mais on n'arrive pas à finir, malheureusement. Baldé qui joue. Parfait. Ça joue bien. Allez, Fadel Koumisti, t'enroule du droit et encore un bel arrêt de Suarez. On n'y arrive pas. Suarez, il fait un gros match. Peut-être une tête sur corner. Et oui, la tête de Yanis Merji qui nous redonne l'avantage. C'est franchement mérité là pour cette équipe de Concarneau. Ça montre des très très belles choses dans ce match et on arrive enfin à concrétiser toutes nos attaques. C'est par le biais d'un corner. On va aller faire vite fait quelques petits changements. On va faire rentrer Matondo à la pointe de l'attaque. On va faire rentrer Chadli côté gauche. Je vais faire rentrer Lebo. Je vais faire rentrer tac Filippono. Pourquoi pas toc. Et, allez, je vais même faire sortir Ouais. Il y a souci, je vais pas faire rentrer le beau.
Si, attendez. Tac, on va faire ça comme ça. Waib, tu sors. Bastien, tu passes côté gauche. Jean de Fuchs passe côté droit. Moisan, tu passes au milieu de terrain. Et on est plutôt pas mal comme ça, ouais. Allez, on y va comme ça pour ces 22. Ouais. Le dernier gros quart d'heure, plutôt, on va dire. Flipono avec Jean de Fuchs. C'est pas très très bien joué. Allez, Jean de Fuchs qui se bat. Jean de Fuchs qui récupère le ballon. Pour Noen Dombassi. Noen Dombassi qui passe. Noen Dombassi le centre. La reprise. C'est qui le numéro 8? C'est Lebo. Le but de Lebo. Et on va aller remporter ce match du côté de Guy Piriou. On aura fait une forteresse. On en aura fait une forteresse, pardon, ce stade pour cette saison. C'est très bien joué là, cette action elle est vraiment bien jouée. Et le beau qui finit parfaitement bien. Ça fait 3 buts à 1. Est-ce qu'on va être titré? Est-ce qu'on va être titré aujourd'hui? L'arbitre qui va siffler la fin du match. Premier but d'ailleurs au passage de Lebo. Je pense pas qu'on soit titré aujourd'hui, honnêtement. Ouais, non, on sera pas titré aujourd'hui. On ne sera pas titré aujourd'hui. Après, je m'y attendais puisque mathématiquement c'est pas encore officiel et je comprends. Même si niveau goal average ça passe, c'est pas grave les gars. On attend, on va patienter au prochain épisode pour avoir le titre. En tout cas, dans les têtes, clairement, c'est fait. C'est fait là, le titre est acté pour nous. Allez, conférence de presse d'après-match. Si le chargement veut bien s'activer un petit peu, merci. Merci de prendre le temps de répondre à nos questions. Pensez-vous poursuivre cette belle série? Nous en sommes capables, je pense. Ouais, j'aurais pu dire, on n'est pas obsédé par ça, c'est vrai. Une réaction après ce résultat. On joue pour gagner quand même. Avez-vous toujours cru en la victoire? Tous les joueurs sont restés parfaitement concentrés, on va dire. Tac, merci. Au classement, on comptabilise donc 15 points d'avance. On va attendre le prochain match face à Pau pour voir ce qu'on va pouvoir faire. Enfin, plutôt pour voir pour valider officiellement, mathématiquement parlant, ce titre. Tac 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 et ouais, allez les gars, on part pour ce match. Forcément il y a conférence de presse puisque c'est le match du titre. Merci d'être avec nous. Nous avons préparé Pensez-vous quelques questions. pensez-vous pardon avoir des chances d'être champion? Notre classement reflète le travail des joueurs, on va dire. Qu'attendez-vous de ce match? On va essayer de gagner encore, tout simplement. Votre dernière victoire va-t-elle affecter le moral de votre adversaire? On va dire que le moral est un aspect stratégique. Tu sais, vraiment le mec qui répond, il botte carrément en touche là. Allez, coup d'envoi. J'espère que je peux compter sur tous mes joueurs pour ce match. Tac, 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 tac. On va titulariser Baldé côté gauche. Puisque je préfère jouer avec Baldé en ce moment, c'est tout. Je vais mettre Chadli sur le banc. Touk touk touk. Fodécila sur le banc. Moisan sur le banc. Et on part comme ça. Je vais juste enlever Uri pour mettre Flipono. Allez, le beau. Tac. Allez, les gars, on part comme ça. Et là, cette fois-ci, c'est sûr et certain, c'est le match du titre. Parti du côté de Pau pour un match qui s'annonce peut-être fort émotionnellement parlant, puisque un match du titre. En vrai, le mot titre sera le mot de cette vidéo parce que vu le nombre de fois où je l'aurais dit. Bref, Concarneau qui enchaîne donc de montées successives, forcément émotionnellement parlant, ça va être fort. Allez, Dalmeida qui peut jouer avec Ngom. Oh, Abasuamina, la frappe, ouais, l'ouverture du score pour le Pau FC. Nous, on n'a rien montré pour l'instant sur ces premières 20 minutes. Et bah, Pau non plus, en fait. Je suis en train de penser Pau non plus. Mais Pau qui transperce la défense. Là, il y a une grosse erreur défensive. Ça laisse ensuite, il n'a pas réfléchi, il n'a pas voulu plonger. Et Pau qui ouvre donc le score. Va falloir essayer de revenir dans le match. Je parle pas de victoire, juste un match nul suffit pour être titré. Donc,
Voilà. Attention, bien joué Salès qui remporte son 1 contre 1. Comme d'habitude, je commente jamais sur les phases défensives. Ouais, ça va. Bien joué Séverin. Allez, Bastien. El Koumisti qui peut décaler sur Etuin. Etuin qui essaye de repasser par Fadel El Koumisti. La passe était moyenne, mais c'est bon. On conserve le ballon et Noël Dombassi qui est lancé dans la profondeur. Noël Dombassi qui peut jouer avec Fadel Koumisti pour rejoindre Fuchs. Jean de Fuchs qui peut frapper l'arrêt de Binguru Kamara qui préserve le score. Dombassi avec Jean de Fuchs pour Merdji. Merdji qui frappe de loin. Merdji, oh, ça passe à côté. Qui peut jouer avec Fadel Koumisti pour Merdji. Merdji qui cède de l'appui de Ndombassi. Merdji pour Ndombassi. Arrêt de Binguru Kamara. On n'y arrive toujours pas. On n'y arrive toujours pas pour l'instant. Allez, Jando. Ah, Jando, il se fait passer. Le centre. Aïe, 2-0. On se fait contrer. Et but signé. Ça doit être Henri CV. Ça doit être Henri CV, je crois, qui vient marquer. Oui, c'est ça, c'est Henri CV. Et on concède donc un deuxième but dans ce match. Honnêtement, c'est pas mérité pour le coup. Autant en premier, mais c'était rien passé pour les deux équipes. Là, vraiment, vous allez le voir au résumé, mais il n'y a que des occasions pour nous. Et on n'arrive vraiment pas à finir. Eux, par contre, ils sont hyper réalistes. Et c'est tant mieux pour eux. Ndombassi qui frappe et Ndombassi qui réduit le score. Ndombassi, c'est vraiment l'homme fort de cette équipe en ce moment. Voilà, ça va, on revient vite au score. Maintenant, faut essayer d'aller chercher cette égalisation. On en reste pas, mais on est à 2-1 à la 70e minute de jeu. On espère pouvoir revenir dans ce match. Attention, Mehdi Chaïri, le centre. Ou à l'arrêt de Salès, bien joué. Salès qui nous permet de toujours y croire. Baldé, ouais non, Baldé il arrive pas à frapper. Allez, Merdji. Merdji. El Koumisti qui frappe. 3-2. 3-2 à la 88e minute de jeu. Malheureusement là il y a plus de temps. Il y a plus de temps pour venir égaliser. Par contre, très bon jeu de la Fadel Koumisti qui se joue du défenseur. Très bon jeu de dos but pour notre petit Fadel Koumisti, c'est très très bien joué cette action. Allez, une seule minute de temps additionnel, on va s'incliner du côté de Pau, malheureusement. On va s'incliner peut-être même sur le score de 4 à 2. Attention à bien défendre les gars, bien joué Romain. Et c'est perdu. C'est perdu pour ce match, on rentre au vestiaire. On rentre au vestiaire et voilà les adversaires, enfin les adversaires plutôt, nos concurrents directs pour la montée ont dû s'imposer, je pense, puisque nous n'avons pas célébré le titre. Donc voilà. Il ne reste déjà plus qu'un match dans cette vidéo. Ça passe très très vite. Ça passe très vite. Dommage, hein. Dommage cette défaite. Après, c'est comme ça, faut bien savoir perdre. Par contre, je vous avoue que ça m'embête un peu d'avoir encaissé quand même 3 buts. Ouais, surtout qu'on vraiment on avait enchaîné les clean sheets. Et là, on retombe à 34 buts encaissés en 34 matchs. C'est dommage puisque ça veut dire que avant ce match, on était à 31 buts encaissés en 33 matchs. Ce qui était plutôt pas mal, mais bon, c'est pas grave. C'est comme ça, juste petit point classement. Ouais, on a 12 points d'avance. Ouais, donc il faut tout simplement gagner le prochain match face à Amiens, qui est une très belle équipe du championnat. Ça risque d'être une nouvelle fois compliqué, mais on y croit. Bref, les gars, on se retrouve pour la composition d'avant-match. Allez, les gars, on part pour le dernier match de cette vidéo. Forcément, qui dit une nouvelle fois match du titre dit conférence de presse. Donc on repart pour une nouvelle conférence de presse d'avant-match. Tac. Qu'espérez-vous aujourd'hui? On peut s'imposer plus largement,
Je ne sais pourquoi répondre ça à un journaliste, en l'occurrence une journaliste, pardon, mais voilà, bref. Tac tac tac. Donc on va titulariser Chadli à la. Ouais, non, vous savez quoi, on va pas titulariser Chadli, on va pas titulariser Baldé. Tac, on va partir avec Fodessila, pardon, ici sur le banc. On va partir avec Moisan sur le banc. On va partir avec personne d'autre sur le banc. Et on part comme ça pour ce match du côté du stade de la Licorne. Et je vous laisse le résumé. Du côté de la Licorne avec, évidemment, pour objectif remporter ce petit point que nous n'avons pas réussi à aller chercher du côté de Pau et qui validerait ainsi ce titre de champion. Ce serait dommage de tout rater sur la fin. Pouf, bel arrêt de Salès. Bel arrêt de Salès là, directement au début de match. On est mis sous pression par cette équipe amiénoise. Attention à ce corner, c'est bon, on arrive à se relancer plutôt proprement et on peut même peut-être espérer partir en contre avec nos Ndombassi a malheureusement plus de solution, à moins que Yanis Merji crochet, Yanis Merji t'enroule du gauche et non, ça ne passe pas malheureusement. Attention à Fofana qui peut frapper, bel arrêt de Salès qui met donc ce ballon en corner frappé par Fofana qui joue avec Sébastien Corchia. Fofana à nouveau qui peut jouer avec Gael Kakuta. Abim Maïga, aïe, la frappe, l'ouverture du score, purée, on n'y arrive pas. Je sais pas ce qu'on a dans cette fin de championnat, nous n'arrivons pas à accrocher ce titre, c'est un truc de dingue. Ouverture du score signé Mafuta, on espère pouvoir revenir dans ce match. Bon, c'est que la 17e minute de jeu, mais bon, c'est, oula, quand même tension au tacle, c'est quand même assez limite, enfin plutôt cette fin de saison elle est assez ouais, ces deux derniers matchs là pour nous ils sont très compliqués, j'arrive pas trop à trouver les mots, je m'excuse, enfin plutôt je vous présente mes excuses. Bel arrêt de Salès. Encore une fois, c'est Salès là qui nous sauve pour l'instant dans ce match. Excusez-moi si vous avez écouté des bruits de fond. J'étais en train de repositionner mon siège. Donc les roulettes, ça fait un petit peu de bruit. 2-0. 2-0, ouais, purée, c'est compliqué. C'est, ouais, c'est très 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 compliqué là. De doubler pour Mafuta, si je vous dis pas de billes. Ouais, c'est ça, doubler pour Mafuta à la 28e minute de jeu. Et voilà, là vous voyez ce que Pelé vient de faire, c'est le résumé de ce match pour l'instant pour nous, c'est à dire catastrophique, sans envie, sans jeu tout simplement. On se crée vraiment aucune situation, on perd tous nos ballons et ouais, c'est plutôt dommage, à moins que Ndombassi peut-être en sauveur. Poteau d'Ndombassi, ça revient dans les pieds de Pelé et Abim Maïga qui peut relancer son équipe. On en reste à 2-0 à la 36e minute de jeu. Romain Sens, non, on n'arrive pas à aller les chercher, on n'arrive pas à la trop la gêner cette équipe aminoise. Et encore un arrêt d'Esteban Salès qui nous permet d'essayer de garder une chance dans ce match pour Merji. Allez Merji pour Fadel Koumisti. Ah, Ndombassi, t'aurais dû essayer de croiser. Ouais, parfait, Ndombassi qui réduit le score. Non, Ndombassi, c'est toujours lui et il nous permet de revenir au score à 30 minutes de la fin de ce match. On peut toujours croire au moins au match nul. On n'a plus qu'un but de retard et 30 minutes donc pour essayer d'aller accrocher ce match nul. Allez, corner frappé par Jean de Fuchs, pas tête malheureusement, ça revient dans les pieds de Baptiste Moisan. Allez, Chadli qui peut jouer avec Fodessila pour Baldé. Moisan qui écarte sur Matondo avec Baptiste Moisan. Matondo à nouveau, Chadli qui frappe et Chadli qui égalise.
Chadli qui égalise les changements ont été payants. Les changements ont été payants et on revient à 2 buts partout à la 84e minute de jeu. Et passe décisive de Matondo. Matondo qui est plutôt pas mauvais, hein, franchement, depuis peut-être 2-3 épisodes, je dirais. Quelque chose comme ça. À chaque fois, il nous fait des bonnes entrées en jeu. Et une nouvelle bonne entrée avec cette passe décisive. Allez, 87e minute de jeu. Et Baptiste Mozan qui fait faute. Non, il n'y a pas faute, monsieur l'arbitre. Là, je suis désolé. Allez, 88e. Faut le tenir, ce 2-2. Allez, on le tient, les gars. On le tient, on le tient, on le tient. Allez, Tapsoba qui passe Bastien. Attention la frappe. Arrête Salès, corner. Allez, attention, corner, il est bien frappé. Ça frappe Kaiboué, Tapsoba. C'est intercepté. Allez les gars, on ressort le ballon. On n'y arrive pas. On est champion les gars. On est champion. Ça y est, c'est annoncé, c'est officiel. L'année prochaine, on sera bel et bien en Ligue 1 et nous sommes champions de Ligue 2 BKT. Ça fait plutôt plaisir. On va laisser cette célébration. Dans tous les cas, la vidéo, je pense, je sais pas encore puisqu'il y a 3 matchs, mais je pense pas qu'elle soit très très longue. Donc, même s'il y a de la célébration, si ça vous intéresse pas, les gars, bien évidemment, vous mettez quelques plus 10. Et puis voilà, après, par contre, le titre, ouais, le titre, voilà, c'est pas pour aujourd'hui. Ce sera pour l'épisode prochain, le match face à QRM, puisque le titre, ça se fête à domicile. Donc, voilà. Dites-vous que premier match du prochain épisode, donc face à Quevilly-Rouen, quoi qu'il arrive. On aura le titre de champion de Ligue 2 BKT. En vrai, c'est un truc de dingue. Cette saison, on fait finale de Coupe de France. On fait champion de Ligue 2. C'est un truc de fou. Voilà, on est là avec nos 10 petits points d'avance sur le SCO d'Angers. Les gars, on va avancer jusqu'au match de Quevilly-Rouen. Et ensuite, on va se laisser là. On va se laisser là, les gars. Tout simplement, c'est... Ouais, c'est bon, on aura fait une très 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 belle saison. On va juste faire un petit point but. Yanis Merji, 23 buts cette saison. Et Dombassi, 21 buts. Il va y avoir une course pour finir meilleur buteur là, je pense. Il nous reste donc 3 matchs de Ligue 2, un match de Coupe de France. Sachant que ça va être plutôt difficile, je pense, de marquer en Coupe de France face à Paris. Puisque je me suis un petit peu renseigné sur l'effectif qu'ils ont. Je vous garde la surprise pour le prochain épisode. Mais à mon avis, la compo, dites-vous qu'il y a eu beaucoup de recrues. Et comparé à l'équipe qu'ils ont de base, et ça fait, honnêtement, ça fait peur. Il y a une très très grosse équipe de Paris. Mais c'est pas grave. On va essayer de se battre comme on peut. Même si je pense que la finale, elle est perdue d'avance. Juste, on y va, on essaye de prendre du plaisir, on essaye de se battre. Et puis voilà. Mais oui, donc... Là, il va y avoir un duel. Même El Koumisti. Là, il va y avoir un duel pour être meilleur buteur. Et par contre, meilleur passeur, c'est pareil. Il y a encore un petit duel, je pense. Je pense que Etienne, honnêtement, il est pratiquement hors course, honnêtement. Mais par contre, Bastien, Merji, là, il y a un vrai duel. Pour le coup, là, il y a un vrai duel. De passe D, je pense que ça peut être rattrapable, à mon avis. Ça va être très 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 serré, mais écoutez, on se dit au prochain épisode. Du coup, bon, c'est globalement qu'à s'attendre. On aura le match donc face à Quevilly-Rouen, ce sera le match pour fêter le titre à domicile. Ensuite, on aura également donc cette finale de Coupe de France qui s'annonce juste énorme. On aura également un match à domicile, le dernier de la saison, à Guy Piriou, pour affronter les Stacks. Ça va être un très beau match également, puisque 3 c'est une très très belle équipe. Et ensuite on finira à Geoffroy Guichard,
J'ai envie de dire que je pense qu'on finira, oui, vous le savez, Saint-Étienne, c'est mon club de cœur, mais dans une Ligue 2, finir une saison à Geoffroy Guichard, je pense que c'est quelque chose de plutôt pas mal. Il y aura un gros public, très bel épisode, je pense, qui s'annonce. Donc voilà, les gars, tout simplement, on se dit à très vite, à très très vite même, pour ce dernier épisode, enfin, dernier épisode de la saison 1. Et voilà, sinon, bien évidemment, ce sera pas du tout le dernier épisode, puisque je compte faire encore d'autres saisons, et d'autres, évidemment, au moins deux, même plus, hein, je l'espère. Donc voilà, les gars, je vous dis à très vite, et ouais, bref, j'arrête de parler, puisqu'à chaque fois, je parle beaucoup trop. Allez, n'hésitez pas à vous abonner, les gars, à liker, à partager, à commenter, ça me ferait extrêmement plaisir. C'était Lutrox, et je vous dis ciao, à très vite.